Alors que nous continuons à lutter contre la COVID-19, le Canada collabore avec des partenaires à la fabrication de vaccins au pays. L'un de ces partenaires est Medicago, une société biopharmaceutique québécoise qui développe une technologie à base de plantes pour les vaccins et les anticorps. Medicago n'est pas étrangère à la lutte contre les pandémies. En 2009, elle a produit un vaccin contre le virus H1N1 en 19 jours seulement. L'entreprise a réitéré cet exploit en développant des particules pseudo-virales du coronavirus en 20 jours seulement. Dans le but de fournir des vaccins qui permettront de sauver la vie des Canadiens, Medicago procède actuellement à la construction d'un nouveau complexe de plusieurs millions de dollars à Destimoville, au Québec. Cette usine permettra de livrer jusqu'à 1 milliard de doses de vaccins pandémiques par an. La nouvelle installation augmentera la capacité de fabrication du Canada en matière de produits pour lutter contre les grippes pandémiques et leurs variantes, de nouveaux vaccins, d'anticorps et d'autres produits thérapeutiques. Medicago a récemment soumis un candidat vaccin à Santé Canada. S'il est approuvé, ce sera le premier vaccin à base de plantes contre la COVID-19 à être à la fois développé et fabriqué au Canada. Il s'agit d'un autre exemple de projet soutenu par le gouvernement du Canada pour assurer la sécurité des Canadiens et rebâtir le pays en mieux.